Ce qui reste sur ma page, je vous ai vraiment intéressé par ce que j'ai à dire. Sydney, tu viens parler de mon mascara. Attends, il te bloque, tu vois. Gnignignignignign. Pauvre là. Tu préfères sans mascara. Tu es mon mari. Tu achètes mon make-up. Donc, on continue ce qu'on a commencé. Tu étais dans le rituel qu'on a fait là. Tu as fait ta part toi-même. Si tu as fait ta part toi-même, tu viens me dire encore qu'il fasse comment. C'est toi qui as fait, non? Je ne suis pas responsable de ce que vous partez trouver en ligne, vous faites. Je ne réponds pas. Oui, là, vous voulez le gratuit. Maintenant, quand vous avez les conséquences du gratuit, vous venez me dire. J'en ai rien à foutre. Absolument. Je m'en tape. Facebook, est-ce que vous m'entendez maintenant? Quand je dis que laissez-la parler, ce ne sont pas eux qui font. Il y a un peu de trouble dans l'énergie. Il est minuit, c'est normal. Je ne suis pas de mauvaise humeur, Zina. Je te bloque aussi toi-même. Tu vois, je vais m'appeler ma reine, ça va faire quoi? De mauvaise humeur, je te bloque. Tu m'apportes quoi? Voilà. Enfin, les démons de Facebook nous ont laissé maintenant pour que vous m'écoutez. Vous m'écoutiez correctement. C'est toi, celle du Tchad là, non? Tu as voulu déranger mon rituel. Quand elle fait mes rituels, je lance mes trucs. La raison pour laquelle je demande qu'on paye, c'est parce que je ne veux pas n'importe qui dans mes cérémonies. Vous me suivez, non? Ce n'est pas n'importe qui doit se connecter pour faire mes choses. Cette femme en particulier, ton énergie, je suis sûr que c'est la première fois qu'elle travaille sur toi. Tu as failli gâter mes choses. Elle vient avec les questions qui sortent de Fondjomon, quoi. Les questions qui sortent de Poptamo. Tu expliques quelque chose, elle soit avec sa part. Je te connais, non? Je sais que c'est la première fois. Lave-toi au sel et tu prends les qui tu fais. Faut pas venir ici là m'embêter. Quand moi je travaille, ne sortez pas votre argent pour venir payer, vous m'embêtez dans mes rituels. Ne venez pas faire ça. J'ai failli te rembourser ton argent. Hein. Prends ça, tu mets comme ça là. On met comme ça là. Tout le monde dans le groupe lui dit que voilà comment elle a dit, voilà ça en haut là-bas. Voilà. On dit travailler sur vous, ne travaillez pas. Et dans votre énergie, le genre que vous ne comprenez pas qu'on explique quelque chose. Bon, potaka non. C'est pour ça que mes choses sont payantes. C'est pour ça que je ne fais pas le gratuit. Il y a le mois sur passé, j'ai dit que le rituel de pleine lune était gratuit. J'avais 300 personnes sur la liste. Vous savez l'énergie que ça prend pour faire le rituel de 300 personnes. Eh, pardon, Polo. Quand on dit que c'est payant, vous voulez qu'on vous supplie. Je dis, je filtre. Je filtre. Ma lumière, c'est là, ce n'est pas pour tout le monde. Doudou, la fille, achète le kit, tu te laves avec. Oui, ça va faire, tu vas comprendre. Bon, j'ai des explications que je me suis pointée, c'est là pour vous dire. Je suis debout à minuit comme ça, avec mon bon sommeil que j'aime. Bon. Je parle à ceux qui sont un peu avancés, que vous comprenez ce que vous voulez dans votre vie. Tu aimes ma sérénité, hein, mamie, parce que j'ai l'argent. Il ne blague plus maintenant avec les gens. C'est pour ça. Ça ne va pas être des gâches. Calmement. Sérénement. Tu me ralentis et tes gâches. Même si tu es mon client. Même mon client qui paye le plus. Le jour où tu te pointes, tu commences à faire un gâche. Je te chasse. Je te chasse. Tu construis ma maison. Hein? Je vous aime beaucoup, mais je vous aime à distance. Je vous aime à distance. Parce que vous êtes dans mes directs ici tous les jours, mais vous ne faites pas ce que je dis. Je suis allé quelque part passer une. Je suis allé quelque part, j'ai passé une nuit. Oui. En entrant aujourd'hui, je vois une des Decepticons qui servait là-bas.
Elle me dit, je te reconnais, je te reconnais. Je te lave au sel. Et c'était une serveuse de celle que tu connais. Elle était méchante avec les autres, ses collègues jusqu'à. Il dit, mais tu veux me faire honte. Tu fais ce que quelqu'un sait même que tu me connais même en ligne. Jesus. Le mauvais cœur. Que 2024 soit votre année d'ascension. Que 2024 soit votre année de solitude. J'ai de la peine à rester même avec mes propres enfants. Parce que ça, je te dis que voilà comment c'est. Tu ne fais pas, je te dépose à côté. Oui. Pascaline, tu m'aimais. Ok, moi aussi je t'aime. Parce qu'on vous a dit que c'est une place. L'autre jour, je travaillais sur une dame. Elle envoie son fils de venir, je travaille sur lui. Il commence à lui dire que non, je suis à tel endroit. Elle a dit que pardon. En passant, la maman de l'enfant, là, je suis à Yaoundé. Tu es là, le direct, si. Je suis à Yaoundé. Non, il peut venir ici et travailler sur lui demain. S'il est encore à Yaoundé, bien sûr. Parce que le travail aussi, ça prend toute l'énergie. Elle lui dit que Bab à Douala, il tourne. Après, il fait un peu faire le parler le gros français. Elle dit que pardon. Je suis là, j'ai accouché l'enfant, il est à grand. Je vais encore le forcer pour qu'il prenne un travail sur lui. Tu es là, tes propres problèmes te dépassent. Tu vas encore aller courir derrière l'enfant. Bon, l'enfant devient quelque chose d'année aussi. Hein. Donc 2024, c'est l'année où vous devez comprendre que vous n'avez pas d'amis. Tu m'apprécies bien. Hein. Je vous connais. Hein. Tu vas me demander quelque chose qui va m'énerver tout à l'heure. Je ne mange pas tes appréciations. Hein. Tu as compris? Tu m'apprécies bien. C'est bien. C'est bien pour toi. L'éthique, c'est à qui dans mon direct? Que regarde-moi. Tu me vois en pyjama comme ça, je viens de vouloir dormir. Tu regardes quoi sur toi? Ne prenez plus le nonsense. Vous êtes habitué à toujours tolérer les BS des gens. On vous fait la merde, vous acceptez. Les gens viennent lancer leurs enfants chez vous pour Noël, vous acceptez. Que je suis fâché. Attends, il te bloque. Que tu es fâché. Tu es là pour donner mes humeurs. Hein? Ah, je suis agressive. Hein? Attends, il te bloque aussi. J'ai le doigt facile. C'est la seule chose que j'aime bien faire. Bloquer les gens. Ça me donne la jouissance quand je bloque. Oui. Je ne prends pas mon pied comme quand je bloque les gens. Ça me plaît jusqu'à. Ça a le goût. Tu as vu quelqu'un, tu bloques les gens, tu jouis, mon frère. Voilà. C'est ma part là-bas. Venez, je vous dégage sur mon direct. Tu gâtes tes pauvres méga là, tu viens maintenant. Je peux lire vos énergies, vous êtes non sincères. Les gens les plus hypocrites, les TikTok là, avec des toc-toc. 2024, je chasse beaucoup de clients. Hein. Moi, je vous dis d'abord, il y a beaucoup de mes clients là. Vous êtes devenus clienticone pour moi. Nos énergies ne correspondent plus. Moi, avec vous, il y a beaucoup de femmes qui veulent vous dire que arrête de me suivre, je ne travaille plus sur toi. Donc, quand elle te dit, comme ça, tu comprends. Tu cherches ta voie, tu pars. Voilà. Maintenant, tu fais comme tu me parles, comme si tu es devenu co-épouse là. Maintenant, tu te crois déjà. Tu portes tes habits spirituels sur toi, non? L'arrogance est de choisir. Hey, Seigneur Jésus. Je vois que quelqu'un met là deux, trois habits spirituels sur elle là. Allez sur TikTok, vous regardez depuis combien d'années que j'enseigne ça ici. Maintenant, comme quelqu'un porte déjà, depuis un an que tu m'écoutes là, tu commences à te sentir. Maintenant, tu viens me manquer de respect. Ok. Pas non. On se verra dans un an. Je vais voir si tu as encore ça. Vous devez comprendre qu'il y a la personne qu'on a appelée dans quelque chose. L'arrogance de certaines femmes à mon égard ces derniers jours. Je vous assure, si vous regardez ma photo de profil, vous ne voyez plus. Vous ne voyez plus, sachez que vous êtes bloqué. Je vous assure. Vous êtes bloqué où? Hop. Bonsoir Didi.
Je dois protéger mon énergie parce que malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de jalousie dans votre cœur. Vous n'êtes pas sincère. Ce que j'explique ici en ligne, beaucoup d'entre vous, vous connaissiez, vous n'avez pas expliqué aux gens. Ce que je vous permets de faire finalement, il y en a parmi vous quand même le chapeau spirituel, le chapeau ndop, tu n'arrivais pas à porter. Tu ne pouvais pas prendre un objet spirituel, tu mets sur toi. Ne parlons même pas du kori. Ne parlons même pas du kori. J'ai la cloche ici, là. Tu veux la cloche? J'ai la petite cloche, je n'ai pas la grande cloche. La petite cloche ne résonne pas bien, bien, bien. Quand je voyage, je prends ça avec moi. Tu passes à l'aéroport avec la grande cloche, on te regarde comme ça, là. Qu'est-ce qu'on veut la cloche? Voilà, c'est la petite que j'ai prise. Donc, vous commencez à avoir confiance en vous. Sachez que le processus n'a même pas encore commencé. Vous pensez que vous êtes arrivé là. Vous êtes en pleine déprogrammation. Ton époux m'appelle Madame Clochet. Bonsoir, l'époux de Sadia. Et cette déprogrammation, c'est un peu comme si. Vous voyez sur mon profil TikTok, j'ai mis je suis la lumière du monde. Cette chose-là, j'ai mis ça sur mon profil. Ça fait 1 an et demi. Il n'est jamais changé. Il n'est jamais changé la description. À quoi sert la cloche? TikTok. TikTok. Tu veux savoir à quoi ça sert? Regarde. La cloche sert à clocher. Hop. À quoi sert la cloche? À faire ça. Ça sent bon. Mon parfum s'est versé dedans. Mon parfum s'est versé dans ma cloche. Yeah. Le parfum s'est versé dedans. Ça sent bon. Le parfum là va finir tout. J'ai mis ça à côté de mon parfum. Tu veux savoir quoi c'est la cloche, non? A fait ça. Voilà. Ça va, c'est bon. Tu parlais sur Google. Google va te donner d'amples informations. Je n'ai pas coupé le son. Oh, oh, oh. Facebook, vous avez le son. TikTok, maintenant, dit que le son est parti. Il y a des petits démons ce soir qui sont en train de me tenter. Vous me suivez, vous me suivez. Bella, tu as fait le rêve sur moi. Non, ne te dérange pas. Si tu as rêvé sur moi, ne te dérange pas pour me dire. Tu as compris. S'ils ont mon message, ils vont me dire. Mais Jean, hein, ils ne vont pas passer par toi pour me parler. Never. Tu as compris, non? Ça ne te dérange pas. Vous regardez mon direct, après vous partez regarder les films d'horreur. Après vous rêvez dans la nuit, les démons prennent mon visage pour venir faire des choses sur vous. Après vous allez venir dire que c'est ça que vous avez vu de moi. Je ne suis pas mal dedans. Voilà. Maintenant vous tous avez rêvé de moi, hein, avec vos grosses têtes. Que j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé de toi. De vos têtes. Et vous dites chaque jour en direct, c'est là qu'ils sont venus vous voir dans vos rêves, non? J'ai rêvé de toi. Vous pensez toujours que le rêve, c'est simple, non? Vous pensez que le rêve, c'est seulement le rêve. Quand on se réveille, là, c'est rien. Prends le kit commerce pour tes activités. Je fais mes produits, vous n'achetez pas. Vous attendez que les scammers vous contactent. Que bonjour, ma coucou. Oui, j'ai des produits qui vont enlever la malchance sur toi. En une journée. Te voilà, tu envoies l'argent à coucou. Hein? Queen Lady, ne me fais pas les compliments, je ne veux pas les compliments. Faut me laisser. Pourquoi vous êtes belle comme ça? Takanan. On ne me flatte pas. Voilà. Pourquoi vous êtes belle comme ça? La prochaine seconde, tu vas me demander un truc pour m'énerver. Il faut me laisser. Tu me flattes, après tu m'énerves, je te bloque. Voilà.
Vous allez démasquer beaucoup de mauvaises personnes qui étaient à côté de vous. Et quand les voiles vont, les masques vont tomber, ce n'est même pas vous en fait qui les démasquez. Vous êtes dans une autre. Ça, c'est la prochaine phase que je vous annonce. Si tu écoutes ceci, sache que tu t'en doutais déjà. De temps en temps, on te disait, mais ça va devenir concret et ça va même te faire peur. Écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles avant que quelqu'un m'énerve sur TikTok. Premièrement, ils sont là pour te montrer que tous les plans de l'ennemi ne pouvaient rien contre toi. Deuxième chose, c'est pour te montrer que tes bénédictions ne peuvent être arrêtées. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas t'arrêter. J'ai dit que quoi? La troisième chose, tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de personne. Dans le monde idéal du spirituel, chacun est sur son île. Il opère. Il a besoin de quelque chose, il part un peu à côté, il achète, il revient chez lui, il reste. Pas l'affaire que tu quittes chez toi, tu pars t'asseoir chez l'autre personne. Tu manges sa nourriture, tu bois son vin, tu te couches sur son lit, tu vois sa télé. Non. De temps en temps, tu rencontres un guide. Tu tombes sur une vidéo comme celle-ci. Ça te rappelle ce qu'on t'a dit dans la nuit que tu as oublié. C'est pour ça qu'elle fait souvent mes vidéos. Pour vous rappeler les enseignements qu'on vous donne dans le rêve et que vous avez oublié. Donc quand il te réveille le matin, tu as oublié ton rêve là. Ils ont fait ça exprès. Certains d'entre vous, vous avez dormi avec les Decepticons. Hein? Tu as dormi avec un Decepticon. Que si on te disait ce que on t'a dit dans le rêve, là, si tu te rappelais de ça, tu allais tout dire ça au gars là. Il allait te décourager. Hein? Comment tu peux rêver que tu as eu les papiers, la nationalité, hein? Alors que ça fait 8 ans que tu es ici. Tu as demandé l'asile, on t'a refusé. Ah, c'est ce qu'on m'a dit dans le rêve. Il te décourage sur ça. C'est pour ça que tu t'es réveillé. Tu ne te rappelais plus de ce qu'ils t'ont dit la nuit. Bon entendeur, bon entendez. Certains d'entre vous, dans le rêve la nuit, je viens vous enseigner. Mais quand vous vous réveillez, vous ne vous rappelez pas de ça immédiatement parce que tu as un mari qu'on a à côté de toi. Ton mari qui est à côté de toi, là, mamie, si tu lui dis tout ce qu'on t'a dit la nuit, là, c'est pour ça que c'est au courant de la journée. Tu tombes sur mes vidéos. C'est pour ça que certaines de mes vidéos résonnent beaucoup avec vous. Dasha, tu n'as pas encore vu les ennemis. Oublie toute personne que tu crois que ça, c'est ma personne. Même quelqu'un que tu restes comme ça, là, hein. Tu découvres ton ennemi, hein. Tu parles de ton ennemi avec ton, entre guillemets, ami. Le commentateur, la personne que tu appelles pour faire le tolique, est-ce que tu sais que telle personne avait fait ça? Est-ce que tu sais qu'il prétendait? Est-ce que tu sais qu'il est parti me bloquer? Celui que tu as au bout du fil là, voilà ton premier suspect. Je vous dis seulement, ça sort comme ça sort. Je vais te confier. Tu veux faire le confessionnat? Hmm? Laetitia, je te bloque. Je ne veux pas les. Les mendiantes ici. Laetitia, guette seulement un peu. Guette seulement un peu. Ça, c'est les pauvres qui parlent comme ça. Tu aimes bien mes vidéos, hein? C'est bien pour toi. Les pauvres, guette seulement un peu. Tu veux voler seulement un peu. Tu veux faire les mini-mini. Vous ne pouvez pas entrer par la porte, vous voulez entrer par la fenêtre. Celui que tu appelles.
que hey, je viens de découvrir que papa, tu as Marie, tu as Jean. Hein? Celui que tu appelles pour parler de tu as Jean là, c'est lui-même qui est en train de te bloquer encore. C'est toi qui avais cherché. Parce que quand tu viens ici, la reine lumière te dit que tu n'as pas d'amis, tu commences à dire, elle ne veut pas mon bien. Hein? Elle dit, elle paye même de quoi? Qu'est-ce que la femme la connaît? Nya, 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 nya. Même ton gars, ton meilleur pineur là, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Oui, bijou. Ton meilleur pineur là, il est aussi dedans. Facebook, vous ne mettez pas les cœurs avec vos grosses têtes. Êtes des intelligents. Mamie, parle-toi à ta maison. Parle. Ta maison, c'est une entité. Quand tu rentres chez toi, salue ta maison. Il y a une personne qui utilise ma photo. Eh bien, tu veux quoi? Je suis célèbre, ma chérie. Tous les marabouts m'admirent. Je leur ai dit de se laver avec mon sel. Ils ne veulent pas se laver. Comme ça, les clients viennent et refusent. Dalila, si on t'a arnaqué ce que tu voulais, tu as compris? Je fais mes vidéos ici chaque jour. Je dis acheter mes produits. Vous ne me contactez pas. Vous attendez que quelqu'un prenne ma photo pour mettre. Quand vous courez après, c'est là que vous sortez l'argent pour donner. Il faut aller donner aux marabouts. J'ai béni l'argent que les marabouts l'ont pris. Aïe, aïe, aïe. On vous parle, vous attendez les ma coucou. Coucou, j'ai vu quelque chose sur ton visage. Moi, je viens te dire que tu as un truc sur le visage. Moi. Moi. Mia Younger. Et ah. Continuez. Il vous dit coucou. Coucou. Le tout, c'est là, c'est ça, le helélé, vous allez voir. Mamie, il n'y a pas de question de ce qu'on déclare. Laissez vos déclarations là, que je déclare, que. Laissez ça. Tu as déclaré depuis 5 ans, ça a fait quoi? Je déclare, tu crois que c'est parce que tu as déclaré que ça a fait quoi? Déclare, on va se voir en décembre 2024. Vous déclarez que vous êtes paresseux, vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas faire le travail spirituel. On vend les produits, vous n'achetez pas. Je suis allée une fois quelque part avec une amie. Elle me suit ici. Hein. Mais elle a un truc avec les produits spirituels. Elle n'aime pas acheter les produits spirituels. Et un des anacotes a contacté. Tu lui as dit que moi, elle ne peut pas être douce comme ça. Vous avez fait ça, l'anaconda va devenir violent comme moi dans ses paroles. Pardon, il ne faut plus lui dire ça. Il était trop gentil avec toi. Hein. Oui, c'est comme ça. On arrive. Hein. Elle prend sa chambre, je prends ma chambre. Comme j'ai fait le pack voyage. Le kit voyage, vous n'avez pas acheté, non? N'achetez pas. La France, pour le kit fondation, ça va te prendre une semaine, 7 jours. Quand on déballait les choses, il y avait le sel maison hanté dans mon sac. Je prends le sel maison hanté, je dis que voilà ça, il faut mettre. Il est ensemble, je vois, j'avais toutes mes choses. Et comment on parle, tu es en Turquie, mamie. Si tu trouves quelqu'un qui vient du Cameroun pour la Turquie, j'envoie. Ou bien d'Abidjan pour la Turquie. On poste en France, on poste partout. Mais les pays comme la Turquie, le Maroc, Dubaï, c'est à vous de chercher quelqu'un qui va venir avec. Pardon. Ah, ils ont aussi essayé avec toi. Hein. Ils arnaquent, non? Oui, le kit de fondation, si tu cherches du travail, prends le kit des envoûtements, ma chérie. Aurélie, prends le kit des envoûtements plutôt.
qui des envoûtements. Tu bois, il y a des trucs dedans, dans ton ventre là, que ça va retirer. J'ai mes choses en Côte d'Ivoire, j'ai mon magasin en Côte d'Ivoire. Donc si tu es en Côte d'Ivoire, tu payes. On t'envoie ça par Yango. Je suis belle, merci. Tu te laves avec le sel, tu te sens fatiguée, c'est parce que tu as la mauvaise énergie dans ton corps. Oui, si quelqu'un vient dans ton pays, il peut prendre le kit et t'apporte ça. Le kit est en fonction de votre pays. Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 0779 0252 05. Les gens qui n'ont pas l'argent pour acheter là, sortez du direct, je vais donner le numéro de téléphone. Parce que les pauvres là n'aiment pas quand tu as le numéro de téléphone. Le kit commerce, ça dépend du pays. En Côte d'Ivoire, le kit commerce, c'est 115 000. Le kit des envoûtements aussi, c'est 115 000, Côte d'Ivoire. Donc, j'arrive à l'hôtel avec elle. Tu vois, j'ai la personne qui dit que je vais faire. On poste au Togo. Tu as fait le kit fondation, prends le kit des envoûtements, tu fais encore. Tu fais le prochain kit des envoûtements. Pour les USC, c'est 280 dollars. Oui. Bon, je t'allais vous raconter mon histoire. Donc, je dois avoir le numéro de téléphone de la Côte d'Ivoire. 0779 02 52 05. Le numéro du Cameroun, c'est le 237. Dans ma bio, il y a le numéro du Cameroun. 237 6 93 50 22 66. J'ai déjà donné pour la Côte d'Ivoire. Tu dormais, n'est-ce pas? Je ne soigne pas la ménopause précoce. Malédiction générationnelle, c'est mon truc. L'argent. Oui, j'apporte l'argent. Je vous sors des malédictions familiales. Voilà mes deux choses-là. Prenez le numéro, si peu importe votre pays, prenez ce numéro. Plus 237 6 93 50 22 66. 6, 93, 50, 22, 66. Donc, je vais maintenant raconter mon histoire. Donc voilà, j'arrive là-bas avec elle, je sors le truc, toutes les choses que j'ai apportées, bougies, tout ça, c'est dans le kit, voyage. Elle me dit, je vais prendre après. Elle va dans sa chambre, elle se couche, elle dort. Moi, elle ne peut pas dormir tant que je n'ai pas fait mes choses. Il ne peut pas. Je fais tout. Au coup, je dors. Le lendemain, chacun se voit. Elle, oh, j'ai mal dormi, j'étais malade. En fait, elle a même chopé la maladie dans la nuit. Le matin, elle était malade. Elle a carrément. Les heures qui ont suivi, on l'a mis sous perfusion. Non, pas de prière pour les poids. Perte de poids, je ne sais pas ma spécialité. Après, je demande à la journée que pourquoi tu n'as pas fait. Passe 24 heures avec quelqu'un. Et tu verras. C'est votre manque d'action qui vous bloque. On te dit, prends le sel, tu te laves avec. J'avais fait une fois il y a 6 mois. Tu es bête. Allume la bougie à la maison. Quand on allume ça, tu sais vraiment, ça fait la fumée, ça fait. Tu crois que tu trompes qui? C'est toi-même. Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 225 07 79. 02 52 05. Vous allez voir que vous allez difficilement marcher avec les gens. Parce que vous avez des petites choses que vous faites qui vous permettent de rester ancré, de rester à terre. Et nous ne sommes que le résultat de nos actes.
Nous ne sommes que le résultat. Tu as fait le kit fondation et le kit désenvoûtement. Maintenant, tu vas faire le rituel de détachement. Oui, j'ai fait certains rituels aujourd'hui. J'ai fait des offrandes à l'eau. C'était très puissant. Et on vient de faire le rituel de lune. Je n'ai jamais combiné autant de rituels dans une journée. Oui. Et quand ces personnes, je vois souvent les personnes qui se plaignent. Oh, ils m'ont abandonné. Oh, telle personne. C'est normal qu'ils vous trahissent. Ah, on est là, tu étais là pendant le rituel. Super. C'est normal que tu sois trahi. Arrête de raconter comment on t'a trahi. Ouais. J'ai été une fois avec quelqu'un, on a voyagé ensemble. Et je suis quelqu'un que je n'aime pas trop parler. Quand tu es avec moi, si on doit passer plus de quelques heures ensemble, mes enfants connaissent, mes enfants ne bavardent pas beaucoup. Mes enfants ne sont pas bavards. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas, on les aime pas. On peut rester à la maison comme ça là. On parle pour dire ce qui est essentiel. À part ça, on se tait. On expédie monsieur Chantou, madame. On expédie aux États-Unis. Donc, elles sont bavardées, 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 bavardées. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Donc, moi, ça m'agace. Et je me suis rendu compte que la personne se plaignait trop. Telle personne m'a fait ça, telle personne m'a fait ça. À un moment, Dieu me dit que tu vois, la personne s'est restée dans une vibration qui la maintient en arrière. Ce qui fait qu'elle ne peut même pas penser à ce que je suis en train de vouloir lui donner devant. On t'a trahi. Waouh! T'es pas la première. Maintenant que tu connais le visage de la personne, avance. Non, moi, il ne peut pas accepter. Comment elle a pu me faire ça? Oh, tu vas sonner la cloche, tout le monde de la famille doit venir, tu dis. Oh, tu dois. Tu sais quoi? Tu es en train de te descendre toi-même. C'est pour ça que même le fait de porter plainte aux gens, moi je trouve que c'est très fatigant. Tu vas au tribunal, on te trimballe pour que tu portes plainte. Après on t'écoute, on t'intimide, on dit wow, on prend ta déposition. Après on envoie le premier avis, il ne vient pas, on envoie le deuxième. Et qui est moi? Tout le temps que je vais la journée, je serai allé faire l'argent que tu m'as pris. Concentrez-vous sur ce qui est devant. Shiftez. Je parlais avec une amie hier. C'est une choisie. Et on s'est parlé pour la première fois en novembre 2022. Je me rappelle, j'étais en train de faire le checking. Je partais dans, je parlais à Libreville. J'étais à l'aéroport. Et je me rappelle à l'époque, dans son énergie, elle passait toujours le temps à se plaindre. Ah, vraiment, telle personne m'a fait comme ça. Oh, mon ex avait pris mon énergie. Oh, ça fait 5 ans qu'ils ont divorcé. Oh, telle personne avait fait comme ça. Et là, on se parlait hier. Je lui dis, waouh, ton énergie a changé. Waouh. Elle me disait que tout ce que j'ai planifié, j'ai obtenu. Tout ce que je demandais, parle de ta vie. Je parle de ta vie que tu es qui? Moi, parle de ma vie. Tu es qui pour moi? Peut-être te bloque. Et que tout ce qu'elle a demandé, il y a cela 1 an. Elle a obtenu. C'est pour ça qu'elle disait que non, l'atelier que tu vas faire, chaque fin de mois, je peux dire que j'ai un masterclass. Chaque fin d'année, on fait un masterclass pour planifier l'année qui suit. Elle dit que je ne peux même pas rater ça. On avait renvoyé le masterclass qui devait avoir lieu le 23. Donc, ça aura lieu le 30. Je pense que ce sera plus puissant que si on fait ça le 30. Vous devez développer la capacité à voir, malgré tout ce que l'ennemi verse sur vous, vous regardez devant.
Vous regardez devant. Plus vous allez passer du temps seul, vous allez commencer à vous écouter. Vous allez écouter leur voix. Ce sera plus fort. Vous pourrez ainsi obéir. Allez faire certaines choses. N'ayez pas peur d'obéir. Je viens vous bénir. On est gentil de m'appeler. J'entends beaucoup de personnes qui m'appellent. Passez une bonne soirée. J'espère que ce que je vous ai dit dans le direct, ça va vous aider. Ceux qui veulent commander les produits, vous écrivez inbox, le numéro est dans la bio. Il y a les rituels. On a fait le rituel de pleine lune cette nuit. Il y a les lavages pour la nouvelle année. Payez vos lavages. Payez vos lavages. On m'a dit, je vais enlever 5 000 francs sur ça. Payez. On met ça en promotion à 45 000. C'est la nouvelle année. Vous devez m'envoyer le cadeau de nouvelle année. Il y a une femme aujourd'hui, elle fait le direct. Elle a vu ma vidéo. Elle s'est levée. Elle dit que tu veux que je t'envoie combien? Elle est partie. Elle dit que voilà ton cadeau de fin d'année. Il dit, mais voilà. Voilà déjà des femmes qu'on a. Que vois-moi. Parle-moi. Il veut les astuces. Le lavage, c'est 45 000. Mettez à 45 000. J'ai fait trop de réductions ces derniers temps. Vous aurez beaucoup de visites cette nuit. Moi-même, je viendrai. Quand on va arriver, soyez prêts. Soyez connectés. N'ayez pas peur d'être vous-même. Tout ce que vous allez recevoir quand vous vous réveillez le matin, ce que vous verrez dans votre rêve, réveillez-vous et croyez. Beaucoup d'entre vous, vous verrez de la richesse dans vos rêves cette nuit, de l'abondance. Certains, vous verrez dans une robe en diamant. Comme l'histoire de Cendrillon, ce n'est pas du hasard. Parce que vous êtes en pleine restauration. Ce qui vous a été volé est en train d'être restauré. Je vous bénis, je vous envoie de la lumière pure. J'expose toute personne qui vous voulait du mal. Je mets la joie dans votre cœur. Que cette joie ne puisse être attaquée par personne. Recevez les bonnes connexions, les bons endroits. Allez là où le Seigneur a besoin de vous, là où la nature va vous parler. Je vous bénis. Je souffle sur vous. Beaucoup, je vais vous visiter cette nuit. Mon parfum. Bonne nuit à vous. Bah, pas si grave. TikTok, arrête-toi alors. Reine Diane, bonsoir, bon anniversaire. Merci.